Alors que le documentaire Pamela, une histoire d'amour est attendu pour la fin du mois de janvier sur Netflix, une première bande-annonce vient tout juste d'être dévoilée. Dans ses premiers extraits, l'actrice révèle ce qui l'a poussée à raconter sa propre histoire. Alors que la mini-série Pam et Tommy était en cours de diffusion sur Disney+, Netflix a annoncé de son côté le développement d'un documentaire autour de Pamela Anderson. Pamela Anderson est prête à raconter son histoire dans un nouveau documentaire. Le film, en préparation depuis plusieurs années, mettra en vedette l'icône de la culture pop qui remettra les pendules à l'heure en revenant sur son parcours professionnel et personnel, dévoilait le service de streaming. Dès le mardi 31 janvier, les abonnés Netflix découvriront donc ce portrait intime et humanisant de l'une des bombes blondes les plus célèbres au monde. Pamela, une histoire d'amour suit la trajectoire de la vie et la carrière de Pamela Anderson, de fille d'une petite ville à sexe symbole international, actrice, activiste et mère adorée. Pamela Anderson est prête à rétablir la vérité dans un documentaire intime quelques semaines après avoir dévoilé les premières images du documentaire Pamela, une histoire d'amour. Netflix a mis en ligne mardi 11 janvier une première bande-annonce. L'occasion de découvrir plusieurs extraits qui retracent la carrière de l'actrice ainsi que des images d'archives. Désireuse de prendre le contrôle du récit, la star d'Alerte à Malibu est désormais prête à livrer sa vérité sur sa vie intime, notamment sur son idylle avec son ex-époux Tommy Lee et sur le scandale de leur sextape, survenu en 1995. Un scandale qu'elle a dû revivre l'an dernier avec la sortie de la mini-série Pam & Tommy. J'ai bloqué cette cassette volée hors de ma vie afin de survivre, et maintenant que tout cela revient, ça me rend malade, confie-t-elle. Pam & Tommy, une mini-série qui explore les dessous du scandale de la sextape en attendant la diffusion du documentaire, les plus curieux peuvent dès à présent revoir les 8 épisodes de Pam & Tommy. Pour rappel, la mini-série explore la vie de l'actrice et du musicien qui se sont mariés en 1995 alors qu'ils se connaissaient depuis seulement quelques jours. Après s'être installé dans une superbe villa, l'un des menuisiers les a cambriolés et a découvert la sextape filmée par le couple. Malmené par Tommy Lee, le cambrioleur a décidé de se venger en divulguant la vidéo intime. Si le leader de Motley Crue n'était pas contre l'idée de cette série portée par Lily James et Sebastian Stan, son ex-femme quant à elle préférait ne pas la regarder. Je sais qu'elle ne regardera jamais ça. Même pas dans des années. Ce cambriolage et le vol de la fameuse vidéo est l'une des choses qu'elle voudrait effacer de sa vie. Encore aujourd'hui, elle est hantée par cette histoire, dévoilait une source proche de l'actrice au site américain Entertainment Weekly. Découvrez en exclusivité la bande-annonce officielle du documentaire Netflix sur Pamela Anderson, Pamela Anderson Define the Decade. Now she will define herself. Pamela, A Love Story 1er January 31. pic.twitter.com/chianofebournu, Netflix@Netflix, January 10, 2023. À lire aussi, mes enfants m'ont convaincu, Pamela Anderson se confie sur le défi fou qu'elle relève dans Mission Rénovation sur Teva, article écrit en collaboration avec Cimedia.